ça. Voilà, très bien. Alors donc, 1015, c'est la bonne pression. Au-dessus de 1015, c'est bon signe, c'est ce qu'on appelle l'anticyclone. Oui. Mais des Açores. Il peut être des Açores ou anticyclone sibérien. Oui. S'il est anticyclone des Açores, donc c'est un temps chaud. S'il est sibérien, c'est un temps sec et froid. Mais c'est vrai que dans les infos, on cite beaucoup plus celui des Açores que l'anticyclone sibérien. Oui, on le cite, tant mieux, on le préfère. Ah oui, c'est pour ça qu'on le cite, alors, parce que c'est chouchou. D'accord. Mais je vous dis, en dessous de 1015 hectopascal, c'est ce qu'on appelle le temps dépressionnaire. Donc c'est signe de mauvais temps. Alors là, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des nuages, du type cumulus, altocumulus et de la pluie. Mais si ça descend encore vers 990 hectopascal, alors là, ça devient encore tempête. Carrément, alors. Ah, oui, alors là, il faut surveiller beaucoup encore. Alors, je vous l'offre. Hein. Vous pouvez le lire de temps en temps. Ben, écoutez, je vais me mettre à le lire tout de suite. Ah, voilà. Alors, là, voilà, là, on en est à quoi normale. Là, alors, montrez-nous, là, on est quoi. Alors, l'aiguille rouge sur le baromètre, c'est que c'est... C'est juste pour indiquer la dénivellation. Mais ce qu'il faut voir, c'est la noire. C'est la noire. Alors, et la noire. Combien lisez-vous? Bah, maudit, un peu plus de 77, quoi. 77. Donc, on est dessus de 76. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 76, c'est la pression normale. Au-dessus de 76, c'est l'anticyclone. Donc, c'est plutôt beau temps. C'est plutôt beau temps. C'est plutôt pas mal. Oui. Et là, je vois, là, en dessous, c'est quoi, en dessous? Alors là, c'est le thermomètre tout à fait en degrés Celsius. Donc, il fait 30, là, sur 30. Le plateau? Ben oui. Vous rigolez? Ben, je vous l'assure. Vous avez froid? Vous avez froid, Philippe? Non, ça va, mais je pensais pas, bon. Quand même, 30 degrés, il fait 30... Vous êtes sûr qu'il est... Ah, alors, pourquoi, moi, je voyais toujours ma grand-mère, quand elle prenait un baromètre, elle tapait dessus avant, pourquoi? Ah, bah, c'est qu'il n'est pas bien. C'est parce qu'il était cassé. D'accord. Ok, bah, écoutez, on va le poser, le baromètre, voilà. on va le placer là, oui. Et puis on va se diriger, nous, vers la roue que vous allez tourner. Oui. Alors, vous connaissez, c'est comme la météo, au-dessus du bleu, il y a le jaune. Et en dessous du bleu, il y a le gris. Je vous souhaite bonne chance. Comment ? Je vais dire un petit bonjour à mes élèves et collègues. Alors justement, vos élèves, vos collègues vous regardent sur cette caméra, ils vous écoutent. Alors je voudrais leur dire bonjour et à lundi matin. Ah bah tiens, carrément à demain matin, vous savez, c'est pas parce que vous êtes sur un plateau. Voilà, c'est pas parce que vous êtes sur un plateau de télé aujourd'hui que vous ne serez pas présent, les maths. C'est sympa, je voudrais remercier aussi l'équipe, toute l'équipe, parce que comme ce que j'ai ressenti depuis hier, il y a un accueil chaleureux. Ça vous plaît bien? Ah oui, on s'est occupé beaucoup de nous. Le train, le taxi, et tout ça, c'était magnifique. Alors, et ce n'est pas terminé. Vous serez heureux. Eh bien, je pense qu'ils la regardent, vos élèves. Ils croisent les doigts pour vous en se disant, oh là là, oh là 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 là, en se disant pourvu qu'ils gagnent le maximum. Et vous allez devenir millionnaire, vous êtes millionnaire. Bravo, quelle démonstration, dites-donc. Vous êtes millionnaire, superbe. Superbe. Les confettis font leur apparition sur le plateau, accolade, embrassade, arrivée du chèque le plus rapidement possible, arrivée du champagne également, et c'est James qui va venir nous le servir. Alors Béna, venez me rejoindre, Béna. Béna, venez. Voici une créature de rêve qui vous promet. Béna, il embrasse tout le monde, il ne sait plus. Ça, c'est le fac-similé qui atteste bien que vous êtes dorénavant millionnaire. Le chèque vous sera remis immédiatement après le générique de fin d'émission. Et puis, si vous le souhaitez, puisque vos amis sont là, si vous souhaitez prendre une coupe de champagne ou autre chose, ce sera avec grand plaisir. En tous les cas, vous nous disiez que vos élèves... Merci. C'est quel lycée, alors? C'est le lycée Les Rosiers de Lisieux. Alors, donc, je leur dis bonjour à mes collègues et à tous mes élèves du lycée. Et ils attendent avec impatience le passage à la télé. Eh ben d'accord. Eh ben écoutez, ils l'attendent, ils l'ont vu de toute façon. Et mais faites gaffe, maintenant qu'ils savent que vous êtes millionnaire, quand ils vont venir vous voir, vous allez vous dire, t'as pas 100 balles. Ah oui. Vous voulez dire un mot, madame? Moi, je voulais faire un clin d'œil aux élèves du collège de Pont-l'Évêque. Eh ben voilà, on a tous les profs qui sont là, qui sont réunis, ils sont millionnaires. Merci encore, on va enchaîner avec un autre gagnant. Moi, je voudrais dire merci à toute l'équipe. Je tiens à le dire, toute l'équipe s'est bien occupée de nous depuis hier. Je leur dis un grand merci. Ça se voit, vous avez pris 2 kilos, là. Ouais, ouais. Hein? Merci beaucoup, bon retour, vous êtes millionnaire. Merci, Philippe. Marie-Thérèse Boucher, mariée, 2 enfants. Marie-Thérèse travaille dans une conserverie de champignons et habite un grand sur Vienne, dans la Vienne. Elle aime les fêtes entre amis, elle adore faire des farces. Elle a les mêmes goûts musicaux que son fils, Patricia Cass, Pink Floyd, Indochine, Powo. Très sentimentale, elle garde toutes les affaires de famille, les meubles, les photos, ses projets, aménager sa salle de bain.
Marie-Thérèse Boucher. Entrée de Marie-Thérèse Boucher. Marie-Thérèse, bienvenue. Vous venez, Marie-Thérèse, de... De la Vienne. De la Vienne, où oui. Ça, dans la Vienne? À Grande-sur-Vienne, à côté de Châtellerault. Très bien. Vous êtes venue alors en tenue traditionnelle, paysanne, c'est ça? Oui. On va la décrire un petit peu. Il y a tout, hein, il y a même les... Je suis restée correcte quand même pour les neveux. Ah ben là, vous êtes tout ce qu'il y a de plus correct, hein? Avec le petit sac que vous avez même retrouvé? Oui, oui. Pas mal. Et vous êtes venu avec quoi, le petit panier de la campagne? Voilà, je vous ai amené des produits de notre région. Ça, c'est très très gentil. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme produit dans la région? De l'huile de noix fait maison. C'est vous qui l'avez faite? Non, mes beaux-parents. Ce sont vos beaux-parents, de l'huile de noix, d'accord. Vous allez à faire le marché, alors. De l'huile de noix, que vous mettez dans quoi, l'huile de noix? Dans tout ce qu'on veut, finalement. Ah, pas du tout, me dit une dame. Vous me dites quoi? Oui, dans l'huile de noix, c'est des noix dans l'huile de noix. Et c'est un peu d'huile. Oui, je sais bien. Non, mais je disais, on peut le mettre dans quoi? Dans la salade. Dans la salade, dans la vinaigrette des asperges. Oui. Et dans les noix. Ou alors des flageolets, même. Hein. Vous mettez une petite cuillerée de huile de noix et c'est... J'étais en train de me poser la question. Je vous disais, est-ce que dans les flageolets? Oui. Oui. C'est fou, ça. Et les asperges, que elles sont noix, là. Hein. Dans l'huile de noix, il n'y a que des noix. D'accord. Et dans les asperges qui sont là, il n'y a que des asperges. Voilà. Oui, oui, oui. Les asperges fait maison. C'est vous qui les avez faites? Non, non, les beaux-parents. Non, c'est... Mais c'est qui les beaux-parents? Bien, les parents de mon mari. Oui, je sais bien ça. Ils ne sont pas là. Ah, ils ne sont pas là, c'est oui, ça. Oui, j'ai une pensée pour eux. D'accord. Bon. Alors, les asperges, hein. On pose ici après. Dis donc, et c'est ça, c'est des produits que nous fabriquons dans mon entreprise. C'est pas vrai. Voilà. Mais alors là, il y a des marques, alors je peux moins les montrer. Hein. C'est, voilà. Dites-moi simplement les produits, c'est... Eh bien, on fait des grecs, des champignons de premier choix, des miniatures, de l'hôtel, de l'émincé. Mais que des champignons, voilà, tout ça. On fait que de la conserverie de champignons, que ça. D'accord. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Dis donc, il y en a combien, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boîtes de champignons. Voilà. C'est mon entreprise qui vous les offre. Eh bien, charmant, votre entreprise, hein. Il nous faut une grosse bise de ma part. On va les poser là. C'est pas mal, dis donc, ça. Ah oui. Ça a combien de temps, ça? Oh, une cinquantaine d'années. Ben oui. J'espère. Et comment vous êtes venu là, alors? En TGV. Pas mal. Super. Hein? Un week-end génial. Dites-moi un, deux ou trois petits mots comme ça sur ce que vous aimez bien lorsque vous ne travaillez pas ou lorsque vous n'êtes pas en visite chez vos beaux-parents. La marche. Vous marchez? Et j'aime beaucoup la promenade en forêt. J'aime bien faire des farces. Ah oui, c'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. Vous faites des farces. Pour quel genre de farce vous faites? Exemple, quand vous êtes invité chez une sœur et un beau-frère, elle fait une tarte, elle la met sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Vous êtes invité pour le dessert, vous prenez la tarte sur la fenêtre et vous lui dites, tiens, je te fais un gâteau. Toute contente. Pas mal comme farce. Oui, oui. Vous notez, Pascal, hein, parce que moi, je vais m'en servir de ça. Je note tout, permettez. Oui, hein. Oui, oui. Oui. Le problème, c'est que moi, ma belle-sœur habite au 18e étage. Alors, évidemment, pour passer sur le rebord de la fenêtre, c'est un peu plus dur. On va continuer. Oui. Pendant qu'on va tourner, la roue va tourner, vous avez donné d'autres exemples de farce. J'aime bien défaire les lions de veuve. Attendez, attendez, ne nous précipitons pas. Tournons la roue d'abord. Je vous souhaite bonne chance de 100 000 francs à 1 million. On va laisser la roue faire ses trois tours parce que ça, c'est le règlement. En voici un. Et le troisième. Voilà qui est fait, ça veut dire simplement qu'on pourra valider le tirage dans quelques instants. Alors, autre farce? Déplacer des hondes, déplacer des pas mal de choses, puisqu'on a habituellement leur place, que j'aime bien enlever. Pas mal, dites donc, pas mal. Alors, on regarde ensemble. Attention. Quelques secondes encore de suspense. Oups. Oh, regardez ça, 600 000 francs. C'est bien, hein? 600 000 francs. Et dans les 600 000 francs, il n'y a que des francs. Hein. 600 000 francs, je le dis pour la dame là-bas qui se dit... non, non, 600 000 francs. C'est pas une farce, hein? C'est génial, super. En plus, le séjour, c'est formidable.
Eh bien, je suis ravi que ce séjour vous plaise. Vous repartez avec un chèque de 600 000 francs. Et puis, on testera les asperges, les champignons et l'huile de noix. On va en boire un demi-litre immédiatement après, après l'émission. Merci beaucoup, bon retour. Salim Chaï, né à Beyrouth où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, Salim préparait un BTS dans le bâtiment et les travaux publics avant de venir s'installer à Paris où il espère pouvoir reprendre bientôt ses études. Sportif, il aime le ski, il a pratiqué le volley, le tennis de table, il aime aussi le hard rock, ACDC, Guns N' Roses, Metallica, ses projets en voyage aux USA. Salim Chaï. Salim vient nous rejoindre sur le plateau du millionnaire. Bienvenue Salim, ravi de vous rencontrer. Alors vous êtes actuellement à Paris, c'est cela ? Oui, c'est à Paris, oui. Vous avez repris des études ? Je pense que je vais l'apprendre l'année prochaine. Et dans quelle branche vous êtes ? Dans le bâtiment et travaux publics. D'accord, et quel niveau d'études ? J'ai fait le BTS et je ne l'ai pas encore terminé, alors j'ai essayé de reprendre des études à zéro. À zéro carrément pour repartir ? Oui, oui. Ouais. D'accord, eh bien, écoutez, on croise les doigts pour vous, pour le BTS. Merci. Et puis par avance pour la roue dans quelques instants. On vient de dire que vous adoriez le tennis de table ? Oui, j'ai pratiqué au moins 7-8 ans. Et j'ai arrêté en 82, et puis depuis, j'ai jamais touché. Ah, bon niveau quand même alors. Hein. Si on veut, oui. Pas mal. Tennis de table, l'autre sport, c'était le... Volley aussi. Le volley. Oui. Volleyball. Oui. Et puis... Le hard rock. Le hard rock, oui. Alors vous savez, on vous a préparé ce qu'on appelle nous un petit quiz, c'est-à-dire qu'avec Pascal, on vous a concocté quelques extraits de chansons, mm-hmm. puisque c'est votre spécialité. On vous passe une intro, hein. Vous me dites ce que c'est. Ok. Ok oui. On y va. Écoutez bien, c'est bon. C'est ACDC, Highway to Hell. Stop. Super, hein, vous avez ça. Quatre notes, riff de guitare, ACDC, mon groupe légendaire avec Angus Young notamment. Oui. Hein, le petit guitariste avec son petit short. Et Highway to Hell. Vous savez ce que ça veut dire, ACDC ? Non. Vous qui êtes dans le bâtiment ? Non. Non ? Je dis ça parce que ACDC, c'est le courant alternatif, courant continu. Oui. ACDC. Oui. Okay, ok ? On y va. Plus ancien, le morceau. Non, c'est pas Deep Purple. À l'époque, Deep Purple avait. À l'époque où on entendait ce morceau-là, Deep Purple avait sorti lui un titre légendaire qui s'appelle Black Knight. Ouais. Vous vous souvenez Black Knight. Bon. Et ça, c'est Black Sabbath. Black Sabbath, oui. Avec le leader qui s'appelait Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Et le morceau qu'on écoutait, gros succès, s'appelait Paranoid. On y va. Tac. C'est Macadana, This Dog et Guns N' Roses. Exact. Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door. Alors ce morceau, il y a une histoire aussi, celui-là. C'était Bob Dylan. C'était The Band, hein, ouais. Et c'était Bob Dylan, évidemment. Ils l'ont interprété notamment, ce qui l'a rendu légendaire au moment où ils se sont séparés, où le band. Voilà, on a fait. Vous êtes pas mauvais du tout, hein. Oui. Si vous êtes aussi bon dans le bâtiment, ça tiendra la route. Ok. On y va de 100 000 francs à 1 million. Je vous souhaite bonne chance. Trois tours de roue effectués. Et on attend tranquillement. Groupe légendaire aussi, Led Zeppelin, hein, avec Jimmy Page, guitariste, bon, Robert Plant. Ils sont séparés maintenant. Ah bah oui, ça fait un bout de temps qu'ils sont séparés. Ils chantent plus avec eux. Il y en a même carrément qui sont morts. Comment il s'appelait le... C'est le batteur qui est mort. John Bonham. John Bonham, ouais. Je crois qu'il abusait un peu de la vodka, lui, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors... Et sinon, quels sont les groupes de hard que vous aimez ? C'est vrai qu'on aurait pu en passer d'autres, Metallica... À une certaine époque, j'aimais bien Iron Maiden. Iron Maiden, ouais. Mais bon, maintenant, c'est...
c'est plus Guns N' Roses, Metallica. Et puis... Ok, bon, on connaît un petit peu mieux vos goûts comme ça. La boule ne va pas tarder à se positionner définitivement sur l'un des 100 segments qui la composent. 500 000. 500 000. Pas mal, hein? C'est très bien. Eh ben, dis donc. C'est très bien. Vous avez vu ça, un peu concours de circonstances, on vous a proposé 5 titres, 500 000 francs, 100 000 balles par titre. C'est très bien. C'est fou, hein, la prochaine fois on vous en met 10. C'est très d'accord bien. Je vous souhaite un bon retour à nouveau, bonne chance dans vos études. Merci. Et puis on va regarder ensemble tout ce qui s'est passé dans l'émission. Merci beaucoup. Merci. Bena Bouadan, un moral au peu fixe, c'est le segment couleur soleil. Pour lui, il gagne le million. Marie-Thérèse Boucher aime les farces et les champignons, elle mettra 600 000 francs dans son panier. Et Salim Shahaya, incollable sur le hard rock, repart avec 500 000 francs, Philippe. Voilà pour les trois gagnants qui viennent de se produire devant vous. Il y a eu tous les autres, ils étaient nombreux. Regardez, voici un court extrait de leur prestation. Pierre Seigne fêtera ses 200 000 francs au son du clairon. Roger Laniel aime Voltaire, il découvrira Pascal et Montesquieu avec 600 000 francs. Denis Blas offrira la Réunion avec 200 000 francs. Alain Gilbert, collectionneur tous azimuts d'objets anciens, gagne 500 000 francs nouveaux. Victor Ancry voyagera avec ses 200 000 francs. Et Marcel Biarnex regagne le 19e arrondissement, sensationnel, avec 400 000 francs. Et nous rejoignons Philippe Risoli. Merci beaucoup, on se retrouve pour la dernière fois aujourd'hui. On a eu l'occasion d'évoquer le clairon. Eh bien, vous verrez l'intégralité de ce passage dans les Inédits du Millionnaire le vendredi soir. Et croyez-moi, le jour où vous entendrez parler du clairon, regardez bien la séquence. À mon avis, c'est un grand moment de télé. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Dimanche qui se poursuit sur TF1 dans quelques secondes avec le juste prix que j'aurai le plaisir à nouveau de vous présenter. Ce sera la finale. Merci, à tout de suite. Au revoir les amoureux.